Les amis, c'est maintenant. Ça fait je sais pas combien de temps que je voulais changer de décor et tout. Et du coup c'est maintenant le moment tant attendu les gars. Ça fait une semaine que je live plus, que je fais plus rien, parce que je veux absolument faire mon décor, le garder secret avant que cette vidéo sorte. Et donc les gars, c'est enfin le moment. J'espère que le décor va vous plaire. Donc du coup les gars, dans cette vidéo je vais pas vous montrer que mon décor, parce que sinon la vidéo durerait même pas 5 minutes. Mais je vais aussi vous montrer ma chambre, parce que les gars, en gros j'ai changé de chambre avec mon grand frère. Et maintenant mon setup et mon décor du coup ils sont dans ma chambre. Ils sont plus en haut dans le grenier, parce que les gars, avant, quand j'étais dans le décor, les gars, je crevais de chaud. Il faisait à peu près 30 degrés l'été. Je restais 2 minutes dans mon setup. J'étais en transpiration totale, mon ref. C'était abusé. Genre, limite, il faisait plus chaud que dehors, quoi, tu vois. Mais là, du coup, maintenant, ça y est, je suis plutôt bien. Normalement, il devrait pas trop faire trop chaud. J'ai 2 fenêtres et tout. Je suis plutôt carré. Donc, du coup, voilà, les gars. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer ma chambre, mon lit, etc. Ainsi que la partie décor et la partie setup. La partie setup, je vais juste vous la montrer. Je vais pas forcément vous montrer tout en détail, parce que bah, y a une vidéo setup qui est faite pour ça. Et puis let's go, du coup les gars c'est parti. On va commencer dès maintenant. Alors je vais pas commencer par la partie décor, setup et tout les gars, parce que tu connais le watch time. Mais du coup les gars, on va commencer par cette petite partie, partie un petit peu canapé, chill, etc. Bah les gars, en gros, dans mon ancienne chambre j'avais exactement ce même panorama, on va dire. En gros ça, ça a pas changé. Les gars, dans ce petit coin canapé, j'ai du coup mon canapé, hop, je peux me poser chill devant la télé. Bah non, j'en ai pas en fait. Non mais en vrai voilà les gars, petit canapé, petite table Ikea tranquillou. Ici les gars, là pour le moment il n'y a rien du tout quasiment, enfin j'ai mis quelques pop etc. Mais là les gars je sais pas quoi mettre encore. N'hésitez pas les gars si vous avez des idées dans les commentaires ou quoi. Et du coup pour finir les gars, on a du coup le lit qui est du coup le toit de mon petit coin de chill. Et puis voilà quoi les gars, ça régale. Et d'ailleurs les gars, j'ai oublié de vous le dire, mais là dedans du coup dans l'armoire on a plein de petits rangements. J'ai rangé plein de petits trucs, donc en vrai ça régale, parce que dans ma chambre j'ai pas forcément beaucoup de rangements. Donc du coup là maintenant les gars, vu que je vous ai déjà montré du coup toute cette partie, je vais maintenant vous montrer mon étagère les gars, où je range toutes mes sapes. Bon je dis toutes mes sapes, mais en vrai j'en ai pas forcément beaucoup. Donc du coup ici de ce côté on a toutes mes sapes de sport les gars. Voilà, donc bon on a tous mes maillots. J'ai pas forcément envie de tous vous les montrer, parce que sinon la vidéo va durer 20 ans. Mais les gars, on a du coup ici tous mes maillots. D'ailleurs les gars, un des plus beaux maillots du monde, surtout un des plus beaux logos les gars, celui de Saint-Étienne. Même si on est en Ligue 2, l'Europe est prévenue. On a mis 5-0 à Bastia. L'Europe est prévenue, crasso. Futur ballon d'or les amis, 4 buts, une passe D dans le même match, c'est un truc de malade. Et du coup les gars, de l'autre côté on a un peu les sapes de ville. Regardez moi ça, du coup on a à peu près tous les pulls, tous les t-shirts et tout, les jeans. Bon je vais pas vous montrer tout ça en détail non plus, mais voilà les gars, on a un peu de tout quoi, tu vois. Je viens du coup de vous montrer tout les trucs hors setup, hors décor, etc. Hors vidéo, c'est-à-dire, bon, comme vous l'avez vu, mon lit et tout, l'armoire de sap, etc. Et du coup, là maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vous montre mon setup et comme ça, les gars, on va finir avec le truc le plus attendu, c'est-à-dire le décor. Et bien, les gars, voici mon setup. Bon, en vrai, les gars, c'est les mêmes écrans, c'est le même PC, c'est tout pareil, sauf que c'est pas le même bureau. Et puis sinon c'est tout en vrai hein. Donc voilà, en vrai tout est pareil. On a du coup le mastodonte. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur les composants de mon PC, etc., parce que là j'ai pas forcément tout en tête, je vous laisse aller voir la vidéo qui spawn juste ici les gars, dans le i là, la fiche. Allez la voir les gars, et comme ça vous pourrez savoir j'ai quoi dans mon PC, etc. Là les gars, on va passer à la partie écran et tout. Bon je vais vous montrer ça vraiment vite fait, mais du coup ici petit écran MSI, 144 Hz, j'ai pas trop d'autres refs, un curvé, un MS, voilà. Ici, bon, un autre écran, les gars, faut se le dire, c'est pas un écran de fou malade, quoi, tu vois. Mais c'est quand même un écran, tu vois, ça me suffit pour lire le chat et tout, ça me suffit, tu vois. Bon, voilà, je suis en train de vous dire mon setup, les gars, mais en fait, il y a une vidéo setup que j'ai sortie il y a pas longtemps sur la chaîne. Bon, c'était pas au même endroit, vu que du coup, c'était dans mon ancien décor et tout. Mais les gars, c'est les mêmes refs, j'ai rien changé du tout, juste le bureau. Je crois que c'est un bureau Ikea, donc voilà. Et bien les gars, on va passer à la partie la plus intéressante pour vous, c'est-à-dire le décor les gars, le nouveau décor de la chaîne, il est là les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, je sais pas vous le montrer les gars, je sais pas vous le montrer. Alors en vrai pour vous le dire, il est un peu plus petit que celui que j'avais à l'époque. Bon je dis à l'époque comme si j'étais un mec vieux, mais bon. En vrai ouais, il est un peu plus petit que l'autre, enfin plutôt l'ancien. Mais après en vrai ça va les gars, il est pas forcément ultra petit. Moi je voulais plus faire une chambre que, on va dire, un studio comme à Webedia et tout. Là je voulais plus
que vous voyez que je suis dans ma chambre et tout, et pas forcément dans un studio et tout. Donc du coup voilà les gars, voici mon tout nouveau décor pour le moment en 2022. Je pense que je vais le garder encore longtemps et j'ai que 3%. Ah non, j'ai 9. Donc du coup c'est parti pour mon décor 2022. Le voici les amis. Voici mon décor les gars. Comment vous le pensez? Comment vous le pensez? Hop, voilà, voilà. Petit plan comme ça. Donc je vous ai dit, il est un peu petit en vrai, mais en vrai ça passe de ouf. Après les gars, de toute manière vous aurez le rendu en live et tout, et en vrai moi je trouve que c'est grave bien. Donc du coup les gars, là on a cette étagère là que j'avais aussi dans l'ancien décor, et en vrai j'ai pas trop changé. Il y a toujours ce petit truc Raforce les gars. Voilà, donc si vous voyez pas, voilà, c'est bien écrit Raforce. Ici, petite pop Star Wars de Kylo Ren. D'ailleurs les gars, dans mon décor il va avoir que des pops. Je vais vous montrer tout après, mais les gars, il y a full pop. Regardez les gars, j'avais combien de pop quand j'ai fait le débarrassage de mon studio. Regardez, j'avais combien de pop. Bon, sinon les gars, vous rêvez pas, on n'est pas à la Fnac, c'est pas un rayon Fnac les gars. C'est ma toutes les pop que j'ai, frérot. J'en ai, je crois, j'en ai genre une vingtaine. Frérot, c'est aberrant, je pensais pas que j'en avais autant. What the fuck, les gars, là, j'en ai vraiment la masse de ouf. Bon, je sais pas comment je vais toutes les caler dans mon nouveau décor, mais frérot, ça va être galère. Hein. Ouais, c'est clairement abusé les gars, on est d'accord. Ensuite, du coup, on a la petite statue de la liberté de New York que j'avais aussi dans l'ancien décor. À côté, on a encore une pop Star Wars les gars. C'est quoi, c'est un, ouais, je sais même pas c'est quoi, c'est un Stormtrooper ou je sais même pas comment dire. Sith Jet Trooper. Donc voilà, en vrai les gars, je la trouve plutôt stylée en rouge et tout. Et carré de ouf. À côté les gars, on a mon œuvre d'art. Théma, mon Phineas. Bon, je sais pas si c'est Phineas ou si c'est Ferb, mais les gars, il est magnifique. D'ailleurs, je crois que c'est Phineas. Mais les gars, du coup, c'est moi qui l'ai peint. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'était une vidéo où en gros, je peignais tout ce que vous me dites sur Insta. Et en vrai, les gars, je le trouve vraiment clean, tu vois. Genre, parce que les gars, je fais jamais de peinture. Donc en vrai, tellement qu'il est clean, je l'ai mis du coup dans le petit décor, juste ici. Bon, ensuite en dessous les gars, du coup sur l'étagère, donc je crois que c'est une étagère Ikea. D'ailleurs les gars, j'ai pas forcément la ref parce que je l'ai depuis longtemps. Elle était, on va dire, à l'abandon chez moi, donc je l'ai récupérée. Alors du coup on a ici un petit arrobase rouge qui fait des couleurs. Donc voilà les gars, petit arrobase rouge, en vrai je trouvais ça plutôt stylé. À côté les gars, on a la maquette du Barça les gars. La maquette du Barça dans l'ancien décor, j'avais la maquette du Real. Je me suis dit allez, on change tout, on met la maquette du Barça. En vrai les gars, elle régale, hein, elle est plutôt belle. Ici un petit dromadaire ou un chameau, je sais pas c'est lequel, a une bosse. Mais en tout cas c'est un petit souvenir de la Tunisie. Donc du coup ça régale, petit souvenir de la Tunisie. Ensuite les gars, on a un petit cadre avec écrit Raphaël en je sais pas quelle langue, je sais plus. Je crois que c'est un truc genre un pays d'Asie, mais je sais plus c'est quelle langue les gars. Si quelqu'un connaît, bon je pense pas que quelqu'un connaît cette langue, mais dans les commentaires dites le moi les gars, c'est écrit Raphaël. D'ailleurs je sais même pas c'est quel sens, mais bon, je crois que c'est de ce sens là. Mais en tout cas, je sais plus c'est quelle langue les gars. Dites le si vous savez en com. À côté les gars, on a un petit globe terrestre les gars. Comme ça je peux voir tous les pays où il se situe et tout. Donc en vrai je trouvais ça plutôt stylé d'avoir ça dans le décor. Je l'avais aussi dans l'ancien décor, donc en vrai ça régale tu vois. Alors maintenant on va passer au contenu qu'il y a dans l'étagère. Du coup, juste en dessous je me suis dit allez, on va rapporter tous les trucs que j'ai d'anciens les gars. J'ai ramené la Nintendo 2DS. Les gars, je sais pas elle est sortie quand la Nintendo 2DS, mais Théma moi ça les gars. Théma elle est là, hop. Bon, je peux l'allumer les gars, elle marche encore. Et du coup à côté j'ai mis le jeu Mario Kart Bros, et derrière le jeu FIFA 11 les gars. FIFA 11 what the fuck. Bon, je pense qu'il y en a dans les commentaires qui ont des FIFA encore plus vieux, mais FIFA 11 what the fuck les gars, il a 12 ans le jeu. À côté on a deux pop les gars. La pop du coup de John Kennedy, voilà, ancien président d'Amérique. Les gars, en vrai la pop je la trouve incroyable. La boîte et tout, tu vois, comme ça, je la trouve incroyable mentale. Et à côté de John les gars, on a qui? On a Batman les gars. Batman les gars, il régale. La pop est grave stylée aussi, même la boîte, tu vois, je kiffe la boîte comme ça en mode bleu et tout. C'est incroyable, ça régale. Donc du coup, je vous ai montré la Nintendo 2DS. Maintenant les gars, on passe à la Nintendo 3DS les gars. La Nintendo 3DS, la voici en mode bleu. Les gars, pour vous dire, c'est... Donc la Nintendo 3DS, elle est sortie après la 2DS, mais je crois qu'elle marche plus les gars, alors que la 2DS elle marche encore. Donc du coup, avec, bah, j'ai Mario Kart 7 les gars, pareil ça régale. Et puis let's go quoi. Alors maintenant on va encore passer un étage en dessous les gars. Alors ça c'est un étage full pop, tu vois, je savais pas quoi mettre comme truc, donc je me suis dit alors je mets toutes les pop. J'ai limite un rayon Fnac les gars au niveau des pop. Donc du coup on a plusieurs pop, je vais pas forcément toutes vous les citer, mais sachez qu'il y a majoritairement des pop Star Wars parce que c'est la collection que je faisais en pop. Là je crois que je les ai à peu près toutes. Et d'ailleurs attends, j'ai oublié de vous dire, mais les gars, ici on a un petit projecteur. Les gars, il régale le projecteur. Tu vois, je l'ai mis là.
pour que comme ça, ça éclaire un petit peu le petit décor, la petite étagère. Et d'ailleurs, j'ai mis le deuxième ici en mode jaune, parce que tu vois, je savais pas trop comment le mettre et tout. Mais là, en vrai, je trouve qu'il est bien placé aussi. Et du coup, pour vous montrer celui-ci, les gars, regardez, si je l'éteins, à quel point ça carie quand même. T'as vu? C'est tout noir. C'est tout noir, mon ref. Alors que si je l'allume, voilà, tu vois, ça carie de fou, franchement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais on a aussi les LED, les gars, ici. On a aussi les LED. Regardez, elles montent tout en haut, là, tout en haut de mon étagère à vêtements. Et elles descendent ici et même ici. Et donc, regardez, ça carie aussi parce que quand j'éteins, t'es marre. Tu vois, on voit pas trop de dégradé bleu et tout, alors que là, tu vois, on voit, donc ça carie aussi. Et d'ailleurs, ici, sur mon radiateur, bon, en vrai, j'ai un peu le seum d'avoir un radiateur dans mon décor. Et vas-y, frérot, je pouvais pas l'enlever, j'ai demandé à mes parents, mais bon, je pouvais pas, il y a que là que je peux avoir un radiateur dans ma chambre. Donc si je veux pas trop avoir froid l'hiver, il m'en faut quand même un. Mais sinon, au-dessus, on a deux coupes, voilà, deux grandes coupes. Bon, j'ai aussi d'autres coupes, mais bon, j'ai pas choisi de les mettre dans le décor parce que vas-y frérot, on va pas trop le remplir non plus le décor, déjà qu'il est plutôt bien rempli. Donc voilà les gars pour ce décor, donnez-moi tous une note dans les commentaires sur 10 de mon décor. En vrai les gars, je le trouve vraiment incroyable. Je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra, mais moi les gars, de ma vue dans ma chambre comme ça, je le trouve vraiment bien. Ce que je vous propose, c'est que je passe maintenant en vue caméra, parce que les gars, c'est pas forcément encore la fin de la vidéo, mais je passe maintenant en vue caméra de live les gars, donc la POV que vous aurez quand je serai en live. Donc c'est parti, let's go. Il est incroyable. Il est incroyable les gars, je veux rien savoir. Du coup, voici la POV que vous aurez quand je serai en live. Moi les gars, je surkiffe, tu vois. Donc on voit quand même mon étagère à sap derrière là. Donc du coup, voilà comment je serai en live les gars. Franchement, je kiffe comme je vous l'ai dit. J'espère que vous kiffez de même. Et puis let's go. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, à la fin de ce du coup nouveau décor les gars. J'ai pris plusieurs jours à le créer ce décor. Franchement, j'espère que bah, vous le kifferez. Donc du coup, retrouvez-moi bientôt en live les gars pour ce nouveau décor et tout, pour voir vos commentaires et tout. Franchement, j'espère que vous kifferez. Je vais peut-être live du coup cet après-midi, bah, au jour où sort cette vidéo, donc c'est-à-dire ce samedi, ou soit au pire ce sera demain dimanche. Mais normalement les gars, il devrait avoir un live ce week-end avec le nouveau décor et tout, ça devrait plutôt être carré. Donc du coup, là maintenant je vais vous laisser parce que les gars, là il est 21h40, nous sommes le vendredi 2 septembre. Je sors la vidéo le samedi 3 septembre à 11h, ça veut dire là j'ai même pas 14h de en moi. Donc j'ai le montage et tout à faire, c'est pour ça les gars. Peut-être que le montage aura pas été forcément malade, mais voilà les gars, c'est pas grave. Au moins vous avez vu le décor et tout. Donc bref, moi ce que je vous dis, c'est une prochaine vidéo, un prochain live. N'oubliez pas le petit like, la note sur 10 dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne les gars. On est en rush maintenant vers les 1500 abonnés. Et puis moi, ce que je vous dis, c'est une prochaine vidéo ou un prochain live. Bref, ciao.